Donc direct quête principale, on va là. Il fallait fouiller le théâtre. Fallait aller voir Stefano. Notre cher ami à l'appareil photo démoniaque. Let's go. Bienvenue Tritor. Oh putain, il y a l'autre folle là-bas. C'est vrai qu'on l'a pas tué elle. Eh, on l'avait pas tué, regardez, elle est là-bas. Ah non, je la tue pas, c'est mort. On va aller directement au théâtre. Perds pas de temps. Let's go. Il y aura combien d'épisodes et de live dessus que je sache ce que je risque de louper? Là, on en a au moins encore pour 5-6 épisodes, hein, facile. Hein. Voire plus. Ouais. Allez, on y va. Grand théâtre, c'est parti. Mais c'est quoi son délire à lui? Bon sang. Lily est à l'intérieur. Wow. Vous n'avez pas apprécié la performance de ma superbe Obscura. Peut-être que vous aimerez mieux ceci. Écoutez. Non, oh l'enfoiré. Je prépare mon plus grand chef-d'œuvre. Mais vous ne méritez pas encore d'en être le témoin. Pas avant d'avoir appris à respecter mon art. Écoutez. Écoutez leurs cris. Les échos de mon travail. Je sais ce qu'il va falloir faire. Il va falloir qu'on trouve les deux tableaux. Respecter son art, hein? Ouais. C'est le moment d'essayer la théorie d'Hoffman. Ouais, ok. Alors, ce qui est marrant, chapitre 7, désir d'art. Ah, ok, on attaque directement le chapitre 7. Alors, ce qui est marrant, c'est que ces deux tableaux, en fait, eh ben, je suis passé devant. Je suis totalement passé devant, je savais pas à quoi ils servaient. Et ben, maintenant, je sais. Alors, il y en avait un dans un hôtel de ville, pas loin. Et l'autre, je sais plus. Bah ils sont là, ok, les deux sont là. Allez, let's go, on va aller choper les deux tableaux. Donc on peut pas rentrer au théâtre avant d'avoir chopé les deux tableaux, c'est ça, bon. Bah let's go les gros. Bonne soirée Yorek Berserker. Même si t'es déjà parti je pense. comment je vais faire pour passer là, putain? Non mais ils sont combien là? On va faire le tour. Voilà. Petite contournation. Du coup, on va aller là en premier. Bonsoir, Missodi. Comment ça va? Ah, voilà, il était là-dedans, je crois. Ouais, ouais. Un espèce de bar. Regardez. La brasserie du diable. Allez, on y va. Si je me souviens bien, le tableau était juste là. Voilà, il est là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. C'est de l'art. C'est juste une photo. N'en sois pas si sûr, Sébastien. Je vais te lacérer la gueule. Oh! Et merde. Merde. Fermé. Il doit bien y avoir une clé ou quelque chose. Bienvenue Moon SGN. Bienvenue à toi. Oh putain, nous revoilà dans un hôtel les Crows. Hallucinant. Ok, bon ça va, j'ai des balles, j'ai une hache. J'ai tout ce qu'il faut pour survivre. Tu deviens une œuvre d'art. Tu vas faire partie de mon Obscura. Faudra qu'on lui donne ses cachets à lui aussi. Hein. Ah, la chair. Moins malléable que l'argile, mais plus douce encore que le marbre. Le matériau parfait. C'est horrible. Impossible de se concentrer avec ses cris. Une sculpture n'a pas besoin de langue. Ah voilà la clé.
horrible. Donc c'est-à-dire que le mec fait des œuvres d'art avec la chair humaine. Tout va bien. Oh ! Ça va les gars ? Petite promenade ? Allez hop. Toi c'est bye bye. Ah par contre pourquoi je l'ai pas eu à la hache là? On va essayer de se faire le deuxième à la hache. Ah ouais non mais ils sont plusieurs en fait. Putain je crois que... Je crois pas qu'il en reste qu'un les crows. Oh putain. Il y en a un juste là. Ok. Alors, je suis pas bon, discrétion les crozes. Merde. Oh putain, la conne. Merde. Fais chier. Bon, j'ai failli être bon. J'ai failli être bon. Ok. Nice. Bon, je sais pas pourquoi, mais je sens que ce truc va se réveiller là. C'était peint sur le tableau. À mon avis. À mon avis, ça se réveille cette cochonnerie là. Bon, on a la clé, on verra bien. Ouais. Voilà mon œuvre d'art. Oh. What? Oh putain. T'es sérieux? Il va falloir. Non. Ok, donc si on se fait toucher par un fil, on est mort. Très bien, c'est parti. Ouais, pas mal. Alors, sachant que dans ce jeu, on peut pas sauter. Hoffman, j'espère que vous aviez raison à propos de ce truc. Quel truc? Qu'est-ce que vous avez? Ah, ok. Bon ça, rien de difficile. Oh attention, il y a un petit fil ici. Fais gaffe. Oh là, attends. C'est parti. Oh. Oh. Wouhou. Oh, c'était simple. Détruire le travail de Staré a vraiment un effet thérapeutique. Mais ça n'est pas encore fini. Encore. Allez, yes. Bon ça va, je m'attendais à plus difficile. On va aller se faire le deuxième. Qui est, ouais, dans un... Wow, 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 wow. À deux secondes près, on était mort. Hein. On va attendre qu'elle parte. Si elle part un jour, bien sûr. Ah ouais, elle a envie de camper devant le bar, ok. On va lui donner une bière. Est-ce que tu veux une bière? Regarde, il y a la carte là. Menu. Sandwich. Putain, c'est compliqué à lire. Hein. Bon, il y a des sandwichs. Tu veux un sandwich? Salut Pikachu. J'ai loupé quoi? T'as loupé un tableau. Toshi, mais franchement, reconvertis-toi. Tu as un vrai talent de chanteur. Ah, mais on me le dit souvent. Kaichou, on me le dit souvent. Faudrait peut-être que j'y songe. Ouais. Bon, elle va rester là, va falloir qu'on sorte les crozins. Alors attends, faut aller où là? Faut aller ici. Bim. Y a pas une sortie par derrière, non? On est baisé, hein. Ouais, on est baisé. Ok, bon. Let's go. Allez, on court.
Ça devrait le faire. Ouais, ça va le faire. Direction le deuxième tableau. Ta-da-da. Oh putain, la blague. Oh putain, mais elle sort d'où? Elle était derrière moi, cette conne. Et on a eu de la chance là. Je pensais vraiment qu'on allait se faire voir. L'entrée est là-bas. L'entrée est là. On court. Go 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 go. C'est bon. Ouh, on a eu chaud hein. Très bien. Bon, nous voilà dans l'hôtel. On va aller au deuxième tableau. Tranquillement, tout va bien. Pas de panique. Castellanos en a vu d'autres. Ah, tu crois qu'il y a plusieurs femmes si là? Ah, je pense qu'il y en a qu'une, moi. Ok, voilà le deuxième. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il va encore dire je vais te défoncer la gueule? Ah non, il passe dedans direct. Ok. Ah, c'est comme tout à l'heure. Très bien. Ok, donc va falloir qu'on chope encore une fois une clé. Oh là. Oh putain, c'est quoi ça? Vous avez vu? Je suis pas aveugle. Il y a eu un truc là. Oh putain, non les gars. Ok, ça fait clairement plus flipper que le premier tableau. Laisse tomber. On va se calmer. Mais! Encore toi. Ah, c'est là. Mais oui. C'est le monstre qui prend les photos et qui arrête le temps là. Putain, j'aime pas. Sympa. Qui veut un bon bain, les crozes? Profitez, hein. Le sang est encore chaud. Il faut profiter. Bon, fais gaffe à l'autre con là. C'est flippant. Hein. Elle est là. Elle est où? Ah, la clé est là, c'est bon, on a la clé. Nickel. Bien. Ça devrait me rapprocher un peu de ça. Allez, table. Bouge! Mais bouge! Plante-toi, plante-toi. Je peux peut-être l'éviter. Oh oh oh! Go! Go, 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 go! Allez, on fonce. Allez, vite! Dépêche! Oh putain! Je suis passé. Oh, je crois que t'es deg. Chance, saloperie. Oh là là, c'était moins une. Oh putain. Eh, je l'ai entendu courir derrière moi, j'ai bien paniqué là. C'était très chaud, ouais. Allez, c'est reparti, ok. Donc encore une fois, des câbles. Bon, c'est pas bien dur, hein, cette connerie, là. Faut juste, voilà, passer en dessous. Comme ça. Je sais pas si j'en ai touché, hein. Non, je pense pas. Ouais, vraiment pas dur, hein. Oh putain, attention. Je dis pas dur, je vais m'en prendre dans la gueule. Alors, on a un câble ici, ça va nous gêner par contre. Ouais. Ah, il y a une deuxième entrée ici, ok. Les petits malins. Allez. Et voilà. Et voilà les crozes, ce que j'appelle du talent. Les deux sont détruites. Ça devrait avoir marché. Voyons si je peux entrer dans le théâtre maintenant.
En fait, ça me dérangerait pas de tuer la femme si, encore une fois, le problème c'est les munitions quoi. Si je la tue, j'ai plus rien. Allez, direction le théâtre. Putain, on va enfin y arriver à ce putain de théâtre. J'arrive, Stefano. Stefano, prépare-toi. Prépare-toi à prendre le plus beau selfie de ta vie, mon pote. Une place, s'il vous plaît. Pour tuer Stefano, oui, oui, oui. Merci. Eh oui, nous, on paye notre place. Hein. Nous sommes des gentlemen. Grand théâtre, allez. Il est forcément quelque part par ici. Chapitre 8 ? What ? Non mais attends, c'est une blague. Eh, le chapitre 7 a duré 2 secondes. Sérieusement ? Alors là, le chapitre 7 était super court. Hein. Très bien. Vous osez détruire mon travail ? Vous pensez que je vais me plier à votre volonté ? Oui. Vous êtes comme eux, qui croyaient pouvoir me remodeler en quelque chose que je ne suis pas. Ce qu'ils ont créé ici, c'est merveilleux. Et ils le cachent, parce qu'ils n'ont aucune imagination. Parce que ce ne sont pas des artistes. Ils veulent me contrôler, me manipuler. Vous voulez m'arrêter ? Mais vous avez tous échoué, parce qu'avec la puissance du noyau, je peux créer mon art pour toujours. Qui veut du popcorn ? Bienvenue, Roro the God. Bon, j'aurais bien pris un peu de popcorn, mais... On dirait qu'il n'y a pas de vendeur. On dirait que c'est un peu vide par ici. La musique vient d'ici. Je serai d'avis d'aller par là. Qu'est-ce qu'il a fait à ces pauvres gens ? Cette traque a été très amusante. Mais même les plus grands spectacles doivent avoir une fin. La fille, où est-elle ? Je vous félicite d'être arrivé aussi loin. Si la persévérance était une forme d'art, vous en seriez un maître. Peut-être pas un Michel-Ange, mais au moins un Van Gogh. Ça suffit les tirades artistiques à la con ! Où est-ce qu'elle est ? Le noyau est sauf. Avec moi. Je l'ai emmené sur ses ordres. Mais quand j'ai réalisé l'étendue de ses immenses pouvoirs... Ah, comment aurais-je pu la laisser ? Ce que je fais est bien plus important qu'un vulgaire profit personnel. Il n'aurait jamais pu comprendre ça. Il ? Qui ça, il ? Ça n'a plus d'importance. Il ne sera bientôt plus là. Alors que mon travail, lui, perdurera. Picasso a eu sa période bleue. Pour ma part, je suis entré dans ma période écarlate. Merde. Non, arrêtez! Admirez ma dernière création. Non!
magistral. Un bouquet de chair et de sang. Espèce de malade. Comment pourrais-je jamais faire mieux? Je trouverai un moyen. Sa peur est une source intarissable d'inspiration. Rien de tel que l'éruption de l'innocence pour attiser le feu de ma créativité. Vous ne pouvez pas l'avoir. Vous ne ferez rien de sa puissance. Vous êtes un Néandertal, vous ne comprenez rien. Elle serait inutile entre vos mains. Bon. Mon petit Stefano. Je vais t'encadrer, connard. Je vais t'encadrer, connard. D'accord, donc la gravité change en fonction de... D'accord, ok, ok. Oh la vache. Putain de merde. Bon, c'est le moment de faire gaffe, hein. Bon, je crois qu'on est au boss, les crocs, on va se concentrer un petit peu. Ouais, bon, ça c'est pas bien dur ici. Hop. Ok. Ok. La discrétion, c'est mon domaine. Hein. Oh putain. C'était chaud là. C'était très chaud. Let's go! Voilà! Salut beauté! Saloperie de tentacule! C'est bordel! Ah, revoilà les rideaux de 150 mètres. Ah non! Elles sont un peu moins hautes cette fois. Allez, on va tuer les tentacules. Un miroir. Du gel rouge. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va au miroir ou pas? Pour sauvegarder peut-être. Ouais. Ouais, ouais, on va sauvegarder un petit peu. Coucou le chat! Ça va le chat? Ouais. Bon, on sauvegarde juste et on y retourne. Et on a atteint les 10 heures de jeu. Truc de fou. Allez, on y retourne. Sauvegarde express. Let's go. T'es où, enfoiré? Oh là là, oh! On est de retour dans le... Dans la maison du tout début du jeu. Les Crozes, le premier chapitre. C'est ici. Venez, je vous attends. J'arrive, j'arrive. Ma prochaine œuvre sera incroyable. Ah bah si je suis dedans... totale de sa puissance.
Oui. La soumission de sa volonté. Ce sera de l'art dans tous les sens du terme. Ah oui, 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 oui. Peut-on avoir de l'art sans public ? J'ai besoin de vous pour que mon œuvre soit complète. C'est pas comme ça que ça va finir. Allô, police ? Je crois que quelqu'un veut me tuer. Ça marche le croc, bonne nuit. Allez, montrez-moi de quoi vous êtes capable. J'arrive, mon mignon. Ça y est, c'est votre le boss. Mort sera de l'art. Nous y sommes. C'est le moment d'y apposer ma signature. Ok. Allez souffrir. Ok. Vous allez le regretter. Bon, par contre, j'ai pas trop de balles. Ça craint. Je vais pas m'échapper. Enfoiré. Putain, j'ai pas trop de balles. Faut pas que je fasse le con avec mes balles. Approchez. Il me reste 8 balles. Voilà. Non. Oh merde. C'est un morceau de là. Bon sang. Commencez à m'exaspérer. Des balles. Ok, je prends le pompe. Quelle belle photo. Bon sang, ne bougez pas. Ok. Ok. J'ai plus de balles, hein. J'en ai assez. Préparez-vous. Ah oui. Quand je l'aurai terminé, il ne restera rien de vous. Ah oui. Ah oui. Je vais m'occuper de votre cas. Ah oui, 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 oui. Foiré. Jusqu'où pourrez-vous résister ? Inutile de courir. Wow! Wouh! 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 Enfoiré! Oh l'enfoiré, il m'a bien eu là! D'accord. Bon. Bon, on l'aura pas eu du premier coup. Quand je l'aurai terminé, il ne restera rien de vous. D'accord! Allez, viens. Hop. Oh, il va me saouler, lui. Oh, il va me saouler, ce con. Inutile de courir. Merde, ça, c'est mauvais, ça. Vous ne pourrez pas vous cacher éternellement. Saignez pour moi. Hop. Sale Béotien. Eh non! Tiens, foiré! Vous allez me le payer! Vous ne pourrez pas vous cacher éternellement! Saignez pour moi! Ah, bâtard! Vite, on se soigne! Vous allez mourir! Allez hop! Votre
mort est inévitable. Quand j'en aurai terminé, il ne restera rien de vous. Ah, fais chier ce putain de bras là. Je vais m'occuper de votre cas. Bah viens. Viens, enfoiré. J'en ai assez de ces pitreries. Inutile de courir. Yes. Allez. Quoi, il est mort? J'avais encore tant à créer. Vous avez détruit mon testament au monde. Regardez-moi. Vous avez fait de moi un chef-d'œuvre. Il doit perdurer. Si seulement j'avais mon appareil. Où est-il? Dernière photo. Lily, n'aie pas peur, ma chérie. C'est moi. C'est papa. Non, il est mort. Mon papa est mort. Chérie, je sais que c'est ce qu'ils t'ont dit, mais c'est faux. Lily, s'il te plaît, je... Sors de là, Lily. Tu n'as pas à te cacher. Rubik is back. Viens voir maman, Lily. Oh, je te protégerai. Mira. Non. Va-t'en. Tu ne l'auras pas. Tu m'entends? Alors là. Lily! What? Non! Ah! Oh putain. Révélation. What the fuck? Putain. Est-ce que c'est vraiment notre femme? Mira. Est-ce que c'était vraiment Mira ou pas? Je serai là pour vous. Et quelqu'un d'autre sera à l'intérieur pour vous. Kidman. Elle était au courant pour Mira. Ah, elle parlait donc de Mira au début. En disant qu'il y avait quelqu'un pour nous aider, enfin avec nous. Ok. Ok, très bien, bon.
Bon. Chapitre 9, putain, on enchaîne les chapitres à une vitesse, là, c'est incroyable. Hein. Très bien. Du coup, eh ben... Mira serait donc la méchante. Attends. Bizarre, ça. Oh là, putain, ça a changé, ici. Le chat... Où est le chat? Où est le chat? Putain, le chat a disparu. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Où est le miroir? Je sais pas, mais moi je sauvegarde. Putain, j'ai cru que c'était Ruvik au début. Exactement la même apparence. Je crois qu'ils l'ont fait exprès pour nous induire en erreur. What? Oh là 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 là. C'est quoi ce délire là? Où est-ce que je suis? Dans une crypte. Non mais c'est ça en plus, regardez. On est dans une crypte. Oh là là. Oh là là. Oh. Ce symbole me dit quelque chose. J'ai dû le voir dans le vrai monde. Bah oui, c'est le symbole qu'on avait vu au début. Très bien. Bon, bah écoutez les crows, on va avancer. J'en sais pas plus que vous. Je suis un peu sur le cul là. On va continuer. Bienvenue, quêteur. Vous venez chercher des réponses. Je suis là pour vous aider. Quêteur toi-même? Qui est là? Bon, à mon avis, l'histoire va totalement changer là. À mon avis, là, ce qu'on voit là, ça n'aura plus rien à voir avec le début du jeu. Parce que Stefano est mort. Donc, fini les photos. Fini le monde ouvert. Et bonjour, je sais pas quoi. Allez, Dragibou. Moi j'adore. Hein. Je suis d'accord avec vous, les Crows. Même Castellanos il adore ça. Oh putain. Vous avez tout perdu. Vos échecs vous ont d'abord conduit à l'inaction, puis au désespoir. Et ensuite vient l'autodestruction. Padre? Tu me fais un peu flipper? J'ai pas envie d'avancer? Même si je suis armé, je sens que je vais me faire baiser. Il fait un peu peur là. Oh putain. Ouais, je crois qu'on va plutôt aller par là, non? Bon. Attention. Le pouvoir des prêtres sont très puissants. Vous avez causé votre propre merde. Wouh ! Oh la vache ! Tu n'as pas cru ta femme. Tu as refusé de voir. Tout est ta faute. Tu es un raté. Ta fille est perdue à cause de toi. Tu n'as pas pu la sauver. Vous avez la clé pour apaiser vos tourments. Je peux vous guider jusqu'au verrou. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je crois qu'il ne veut pas du bien. Alors, est-ce que c'est notre maison? Vous ne pouvez pas changer le passé. Seulement l'accepter. Embrassez-le. Ne l'évitez pas. C'est...
Lily ? Ok. C'est quoi ce bordel? Vous êtes qui? J'ai pas signé pour ça, les gars. Ok. Et 2-1. Enfoiré. Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Il va pas me casser les couilles lui. Ok. Ok, super. Putain, je joue comme une merde. Ouais, laisse tomber, je suis mort. Allez, c'est bon. Oh la vache. Oh putain, la violence. Putain, c'est chaud là, attendez. Oh là. Oh là là. Espèce d'enfoiré, tu vas crever, ouais. Je crois que c'est bon. Oh putain. Merci Gali pour ton petit don. Et le skill est là, voilà. Tu as ta réponse à ta question, hein, voilà. J'attendais de te répondre. Voilà. Il est là, le skill. Eh, hey, ils étaient pas faciles, hein. Putain. On en a chié, là. J'ai pas eu le choix que d'utiliser mon arbalète. Et en plus, il donne que 600 gels, quoi. C'est de la merde. Hein. Stefano m'a défié. Il est devenu une épine dans mon pied. Une épine que vous avez ôtée. Pour ça, vous serez récompensé. Stefano. Ce type le connaissait. Bah à qui on a affaire, putain? À qui on a affaire, les Crows? Peut-être un prêtre? Je sais pas. Attention. Hein. Bon, ça va, j'ai des balles. Waouh, c'est quoi cette zone? Oh putain, ça sent le boss, là. Ouais, ça sent le boss de la secte, attention. Qu'est-ce que c'est? Je sens moyen là. De l'herbe, ok. On va monter à l'échelle. Dans le bon sens, c'est mieux. Oh, une énigme. Ah. Ça sent l'énigme. Ok, donc va falloir faire couler un liquide. Et le liquide doit passer dans tous les... D'accord. Alors le gros problème avec ça, c'est que je suis pas du tout doué avec ces trucs là. Mais vraiment pas. Non mais là je vous le dis honnêtement, on va y passer jusqu'à 23h. Honnêtement, je suis capable de rester bloqué plus de 3 quarts d'heure là-dessus. Parce que c'est des énigmes que j'ai déjà faites dans d'autres jeux. Et je sais très bien que j'y arrive jamais. Ouais, ça risque d'être long. Mais bon. Fait chier. Là on était bien là. Là on est bien là. Là on est pas mal, ouais. C'est ça qu'il faut faire. Non. Oh excellent. Oh.
Oh, énorme. Alors là... Eh, là je m'impressionne. Là je m'impressionne. Je m'impressionne. Alors là... Non, là ouais, c'est le GG ultime. Ah oui, là c'est le GG ultime. Là je vous le dis. Hallucinant. Hallucinant. Mais d'habitude, je galère avec ce genre d'énigme là. Où t'as plusieurs roues qui tournent dans le même sens. Mais c'est un truc de ouf. Hallucinant. Bon, bah écoutez, le karma est positif. C'est bien. Le karma est positif. Putain, le truc de ouf, eh. Alors du coup, ça m'a ouvert quoi? Ah, il y a encore une plante là-bas. J'en reviens pas. Du coup, je suis curieux d'aller voir d'autres youtubeurs. Quand ils vont arriver à cette zone, de voir si ils ont été plus rapides ou moins rapides que moi. Ça, c'est un truc que je vais être obligé d'aller voir sur tous les youtubeurs qui ont fait le jeu. Juste par curiosité, parce que là, franchement, ça m'étonne. Bon bah on continue du coup. C'est la force des crosses, voilà, exactement. Waouh. La secte des morts vivants. Sebastian Castellanos, vous voilà enfin. Je vous attendais. Et vous êtes qui? Mes fidèles m'appellent Père Théodore. J'espère que vous y viendrez aussi, mon ami. Je vois encore un taré qui se prend pour Dieu. J'en ai déjà tué un comme vous, aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas. C'est comme ça que vous réglez tous les problèmes de votre vie. Par la force brute et l'intimidation. Et regardez où ça vous a mené. Dans un enfer que vous avez créé. Baissez votre arme. Utilisez votre tête au lieu de vos poings. Nous avons le même objectif, Sébastien. Nous pouvons nous entraider. Rejoignez-moi. Vous, vous retrouverez votre fille. Et moi, eh bien, j'aurai le pouvoir du noyau. Je sais déjà qui elle y est. Oui. Et Mira ne la lâchera pas si facilement. Quoi? Où sont-elles? J'aimerais pouvoir vous le dire, mais vous n'êtes pas prêt. Vous devez intégrer mes fidèles ouailles avant que je puisse vous en dévoiler davantage. Bordel, dites-moi où elle est. Acceptez mon offre. Je peux vous mener hors de vos propres ténèbres. Je peux vous mener à Lily. Désolé, je ne suis pas l'un de vos fidèles. Qu'il en soit ainsi. Vous souffrez tellement. Vous êtes constamment hanté par les événements du passé. Je vous ai montré la voie. Vous devez comprendre que je suis là pour vous aider. Revenez me voir de votre plein gré. Alors nous pourrons adopter nos rôles naturels. Pas en tant qu'adversaire, mais en tant qu'allié. Nous nous reverrons, Sébastien. Enfin réveillé, c'est pas trop tôt. J'aurais bien besoin d'un petit coup de main.
Tu sais te servir d'un flingue, pas vrai? Prends ce côté. Canarde-les jusqu'à ce qu'ils crèvent ou qu'on ait plus de munitions. Oh putain! Qu'est-ce qui se passe ici? On parlera plus tard. On tente pas de rester en vie. Ouais, mais je vais niquer mes munitions, j'ai pas trop envie. Eh, putain, c'est RE4 là! Attendez, bon, je fais pause 2 secondes pour ce qu'on vient de voir. Parce que là, on est en pleine action, je vais pas pouvoir vous parler. Ok, donc le nouveau méchant est un prêtre. Comme je l'avais prédit. donc il sait où se trouve Lily, il peut nous y emmener, mais on doit devenir son fidèle. Chose qu'on n'a pas du tout envie de devenir. Et là, on se retrouve dans une cabane avec une nana. On doit dézinguer des zombies. Et c'est un putain de clin d'œil à RE4, encore une fois. Dans RE4, à un moment, on est dans une cabane exactement la même, avec le mec, là, je sais plus comment il s'appelle. Aragorn, là. Il lui ressemble vachement, en plus. C'est exactement ça. Donc, voilà, bon. Ok. Mais c'est clairement un clin d'œil à RE4, là, dans la cabane. Hein. C'est ça, hein. Ah oui, c'est ça. Regardez. Oh là là, ce clin d'œil. Hallucinant. Mais ta mère, toi. Tiens, salopard. Ah, bien joué ça. C'est pas ta première fois, on dirait. Je compte plus à force. Oh là, je suis en train de jouer à Resident Evil 4 là, c'est ouf. Fais le plein de munitions. Il y en a 2 qui arrivent. D'accord. Mais j'aurai besoin de réponses quand tout ça sera fini. RE4 le remake. Oh putain. Bouffe ça, espèce de sale fils de pute. Oh yeah. Adios, grenade. Surveille nos arrières, il y en a 2 qui arrivent. Oh là là, j'adore. Ok. Tu l'as fait avant moi. C'est bien. C'est bien, on a des munitions. Partout. On a des munitions gratos. Waouh. Waouh. Oh, derrière toi. Merde. Merde. Bouffe ça, espèce de sale fils de pute. Allez, 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 allez. Vas-y, tu peux le faire. Allez. C'est bien. Encore. Eh, hey, c'était quoi ce bruit? Je sais pas, mais ça a l'air méchant. Fais gaffe. What? Oh non. Qu'est-ce que c'est, cette saloperie? S'en fout, bouclé. Oh putain, putain, putain. T'as le prix. Je crois que c'était le dernier. Viens, il faut qu'on bouge. Faut qu'on bouge, ok. Go, go, go. Vas-y, vas-y. Moi, je ramasse tout ce que je trouve. Un vrai pilleur. Moi, je crois que c'est bon, du coup. Yes. Merci. Je m'en serais pas sortie toute seule. Je m'appelle Esmeralda Torres. Moi, c'est... Sébastien, je sais. Ah bon? On dirait qu'on les a eus. On ferait mieux de bouger avant qu'il en arrive d'autres. Comment j'ai atterri ici? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le moment de poser des questions. Ma planque est pas très loin. On discutera en route. Viens. Bon alors du coup, prends ce qui est bien... Je t'attends dehors. Ok, nickel, j'ai le temps de fouiller en plus. Alors là, il y a un truc cool, les crocs, c'est que... Eh ben, c'est un nouvel allié qu'on connaissait pas. Elle fait pas partie des 5... Enfin, de l'équipe de Mobius. Elle était pas dedans. Elle m'a l'air très sympathique. Donc, Esmeralda, c'est ça? Ok. Fais pas de bruit. Il pourrait y en avoir d'autres. Dis-moi au moins comment tu connais mon nom. Kidman m'a demandé de garder un œil sur toi. Kidman.
Elle a dit qu'elle essaierait d'obtenir ton aide si le plan foirait. Et tu es là, donc... Attends, je suis perdu là. Quel plan ? Sortir Lily de là et... éliminer Mobius une bonne fois pour toutes. Mm-hmm. Toi, je t'aime bien, toi. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Fais gaffe, hein. Merde. Laisse-moi deviner. C'est le chemin qui mène à ta planque ? Il doit y avoir un autre chemin. Suis-moi. Je te follow. Attends, une seconde. Ton plan. Kidman ne m'a jamais parlé de ça. Tu m'étonnes. J'imagine qu'elle n'a pas pu te donner les détails devant tout le monde. Ah, mais c'est elle ! Par ici. C'est elle que Kidman disait au début. Il y a quelqu'un à l'intérieur qui va t'aider. Mais c'est elle ? Putain, c'est quoi ce boule là ? Mais... c'est fait exprès ou... Attendez là. C'est incitation au viol là. Je suis désolé hein. Monsieur de chez Bethesda. L'un de nous doit lever le tronc pendant que l'autre passe dessous. Allez, je lève le tronc. Ah non, c'est toi qui t'en occupe. Allez, passe. Bon, oh, ça va. Putain. Je peux t'aider. Bouge ton cul avant que je te lâche sur la tronche. Ok, c'est bon. Merci. Elle a de la force, hein. Tu veux faire une petite pause, papy ? Ça va. Je suis pas si vieux. Il y a une espèce de Alors, complicité, tout là. Ce temps, Kidman avait un plan pour faire tomber Mobius. En fait, c'était le plan de ta femme. Quoi ? Mira ? Alors c'est pour ça qu'elle est là. Elle fait partie de Mobius. C'est n'importe quoi. Va falloir se baisser. Va pas te faire un tour de rein. Lâche-moi un peu avec ça, Torres. J'ai l'impression qu'ils se connaissent déjà depuis 3 ans. Ils se lancent déjà des vannes, tu sais. Tu peux être fier de ta femme, tu sais. Elle est persuasive. C'est elle qui m'a recruté pour ce plan. Je comprends pas. Pourquoi elle les a rejoints ? Elle a découvert qu'ils détenaient Lily. Elle savait que le seul moyen de les éliminer était depuis l'intérieur. Alors elle les a rejoints et a patienté jusqu'au bon moment. C'est donc là qu'elle était. Pendant toutes ces années. Bon sang. C'est dur à digérer. Je veux bien te croire. Mais restons concentrés. Faut qu'on passe de l'autre côté. Tu peux m'aider ? Ouais, bien sûr. Allez, Attends. Encore un petit clin d'œil. C'est bon, je te tiens. Ouais, ouais, ça va. Ouais, c'était bien la fin du DLC, hey, ouais. Tu vas quand même pas me laisser là. Quoi ? Tu croyais que j'allais t'abandonner comme ça ? Ah ! Toi, je t'aime bien. Elle a de la force de ouf ! Tu fais partie du plan maintenant. Le plan. Ok. Qui d'autre faisait partie de votre petite mutinerie ? On n'était que 4. Moi, Kidman, Mira et Théodore. Théodore ? Le père Théodore ? Oula, attendez. Le père Théodore ? Moi, je l'appelle Théodore Wallace. Tu le connais ? Je l'ai rencontré. Mais il a pas envie de sauver Lily. Il la veut pour lui tout seul. Il a même essayé de me convaincre de traquer Mira. C'est lui qui a tout fait foirer. Et... qu'est-ce qui était censé se passer ? Une fois Lily récupérée par Mira et Théodore, lui et moi devions la faire sortir pendant que Mira s'occupait de Mobius. Et Kidman devait s'assurer qu'on puisse sortir du STEM depuis l'extérieur. Merde, c'était censé être facile. Rien n'est jamais facile. Eh ben, on en a pas un peu plus, oula. Oh non. Eh mais on est dans la jungle là, c'est quoi ce bordel là ? Tomb Raider. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah putain ! Merde, on a des ennuis, regarde. Ouais, c'est de la fumée, quoi. Vite, suis-moi. Ok, bon. Bon, on se prépare. Hein. Je sais pas du tout où on est. Est-ce qu'on a une map ? Ah, on a une map, ok. Très bien.
Est-ce qu'on aura affaire à des zombies ou à des humains du coup? Ou à des prêtres? Oh là là là. Bienvenue Djibril. Qu'est-ce que c'est que cette horreur encore? Désolé pour ta planque. J'aurais pas mis ma planque en évidence comme ça. Elle est cachée. Ah. Mais il faut qu'on passe ces trucs pour l'atteindre. Tu vois la bannière rouge derrière cet immeuble? Ouais. La trappe qui mène à ma planque est dessous. Ok. Je passe devant. Suis-moi et reste à couvert. Ok. Mais écoute-moi. J'ai déjà vu ces choses-là avant. T'approches pas d'elles quand elles sont en feu. Tu sais que je viens d'en niquer 3 il y a 10 minutes. Mais ils sont sourds. D'accord. Comment t'as fait pour me voir? Ok. Ok. Ok, le mec m'a vu. Très bien. Alors là, je sais pas comment il a pu me voir, hein, clairement. Et elle, elle a pas bougé. Mais elle a pas bougé son cul. Elle a plus de forme que... De forme. Elle a plus de force que moi. Et elle se bouge pas. Bon, l'essentiel, c'est le résultat. J'avoue que je m'attendais à un peu plus de discrétion. Nice. On s'en est sorti. On n'est jamais mieux que chez soi, mais une planque, c'est pas mal non plus. Bon, prends pas peur à cause de la quantité d'explosifs. Ils sont inoffensifs, du moins jusqu'à ce que je les arme. Fais-moi voir un peu ta planque, là. Alors qu'est-ce qu'on fait pour Théodore? J'en sais rien. Il est complètement fou. Son repère semble tout droit sorti de l'Inquisition. Je devrais être soulagé que Lily soit avec Mira plutôt qu'avec lui, mais... Quoi? Lily est avec Mira? Ouais, mais je suis pas sûr qu'il faille s'en réjouir. Elle est... différente. Cet endroit semble l'avoir affectée. Elle se cache pour protéger Lily de Théodore. Et il reculera devant rien pour les trouver. Si j'arrive à l'arrêter, peut-être que Mira retrouvera ses esprits et qu'on pourra sortir Lily de là. Alors, tu veux tuer Théodore? Ouais. Mais il va d'abord falloir le trouver. Comment tu comptes t'y prendre? O'Neill devrait pouvoir m'aider. Je vais l'appeler. Mais il faut d'abord que je prévienne Kidman. D'accord. Mais fais gaffe à ce que tu dis par communicateur. Elle est sûrement dans la salle de contrôle avec ce serpent qui lui tourne autour. Sébastien, où étiez-vous? Vous avez trouvé Stefano? Mieux que ça. Je l'ai éliminé. Bien. Et Lily? Elle m'a échappé à nouveau. La bonne nouvelle, c'est que j'ai rencontré l'agent Torres. Ces informations m'ont été précieuses. C'est une bonne nouvelle, en effet. Quelle est la mauvaise? La mauvaise, c'est que quelqu'un de plus puissant que Stefano veut prendre le contrôle de cet endroit. Et pour ça, il a besoin de Lily. Torres m'a dit que vous le connaissiez. C'est un sacré beau parleur. Bon sang, je crois que je vois de qui vous parlez. Je vous envoie quelques trucs utiles dans votre salle. Tenez-moi au courant. Vous savez que je suis là pour vous. Je sais. J'ai confiance en vous. Bon. Il est temps de passer aux choses sérieuses. O'Neill, c'est Sébastien. Répondez. C'est pas normal. Je vais essayer de le trouver. Toi, tu restes ici et tu prépares tes armes et tes explosifs. J'aurai besoin de ton aide quand j'aurai localisé Théodore. Je peux accéder à la moelle d'ici? Ouais, il y a un ordinateur de Mobius dans cette pièce. Il t'amènera à la sortie 72. Super. Je t'appelle quand je suis prêt. Bonne chance, Torres. Ok. Bonne chance à toi aussi. Nice!
Chapitre 11. On avance bien. Ah, ça fait du bien, là, putain, de se reposer un petit peu. Pff, on en avait besoin. Ah, ah, le petit café. Oh, putain, un petit café, attendez. Ouh, j'en ai des frissons, rien qu'en parler. Bon, du coup, prochain live, direction cette porte. On va essayer de choper le prêtre. Le prêtre Théodore, on va lui en foutre plein la gueule. Et puis voilà, on verra ce qui se passe.